Bonjour à tous, bande de fumier, j'espère que vous allez bien. Bon déjà, juste un petit truc, fais pas attention à la couche, je viens de me lever, je dois aller chez le barbeur aujourd'hui, donc voilà, on fait pas attention. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de récompenses fut champion. Dans un premier temps, mon compte secondaire, vous allez voir, on a tapé un très très gros joueur en s'arrêtant à un ratio où on a donné des wins. Enfin bref, vous allez voir, tout est résumé de toute façon. Et la deuxième partie de la vidéo, c'est tout simplement les récompenses de mon premier 20-0 sur mon compte principal. C'est la première fois que je le fais. J'avais déjà fait 19-1 pour la TOTS PL, etc. Mais j'avais jamais fait 20-0. Et donc, du coup, là, je vous propose une vidéo double récompense. Compte secondaire d'abord et compte principal avec le 20-0. Donc voilà, vous allez voir, j'ai tapé des petits trucs intéressants. Avant toute chose, n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va dépasser bientôt les 17 000. Il manque quelques abonnés. Donc, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas. Là, j'étais en vacances pendant une semaine et demie. C'est normal qu'il n'y a pas eu de vidéo. Mais là, on reprend. Donc, du coup, pour on va dire cette fin de FC24 là avec cette période de Euro Copa et puis après je sais pas ce qu'ils vont nous sortir. En tout cas voilà, merci à vous pour la force en ce moment. Bon visionnage à vous pardon. Et puis on se capte très rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous laisse regarder tout ça. Yo les fumiers, comment ça va les gars? Vous allez bien ou quoi? Tranquille, salut à tous. J'espère que ça va. Bon, au programme les amis, du coup aujourd'hui on va faire le choix icône. Il y a un choix icône qui est sorti hier. Est-ce que vous avez tapé du lourd de votre côté ou pas? Moi j'en ai fait un déjà sur mon compte principal, j'ai eu de la D, franchement j'ai rien eu de bien intéressant. Donc on va le faire sur le compte secondaire et puis on va finir fut champion en détente sur le compte secondaire. On est en 9-2 je crois, donc voilà, fut champion les gars comme d'hab, hein, depuis maintenant 2-3 semaines, depuis la fin des tots. On joue et dès que ça commence à gaver on arrête, voilà, on va pas entre guillemets se forcer à faire 16 ou plus comme à la tots où c'était intéressant. Maintenant, je vais pas vous mentir, le score, je m'en fous un peu. Je pense que c'est tout le monde pareil. Donc voilà, voilà, voilà. R, le premier. R3, R1, R1. Alors, 80... Oh là là, c'est quoi ça? 80 de physique. Ok. 93 de dribble. 81 de passe. 94 de frappe. 95 de vitesse, c'est qui ça les gars? Peut-être Hernandez... Ouais, je sais pas. Ok, Hernandez 94. Il a quoi? Il a tir puissant, hein? Il a duel aérien. Et là, qu'ils l'ont testé ou pas les gars? Double 5 en vrai. Hein? La deuxième icône. Bon, déjà, la prédiction, elle passe du coup, parce qu'on a eu un 80. Salut Twitch Nelty, comment tu vas? 38. Oula, c'est un petit ça. 92 de drip, pas beaucoup. C'est pas Butragueño ça à tout moment. Non. Ça c'est qui ça? Franchement, je sais pas qui c'est ça. Hein. Ok, Bergkamp, défaite. Bergkamp, défaite. Et le dernier. 88 de physique. 90 de défense, ça c'est un fut burzé je pense. Ça je pense que c'est un fut burzé. Ouh, Carlos Alberto. Ok. Ok. C'était pas celui qui avait à débloquer dans l'ancienne saison lui? Nunez. Pour l'instant 15 matchs, 13 buts, 17 passes des. Putain, il est décisif de fou. Hein. 15 matchs, j'ai été décisif 30 fois avec. Deux fois par match, ça veut dire. Je pensais pas. Je pensais pas que j'avais autant été décisif avec lui. Je pensais pas. Messi, du coup, qu'on a packé la semaine dernière. 23 matchs, 21 buts, 7 passes D. Ok. Nico Williams, qui est pas mal. 18 matchs, 16 buts. Ok, décisif 20 fois. Et Salah, du coup, qu'on a packé aussi. 23 matchs, 20 buts, 16 passes D. En vrai, Salah aussi est très décisif. Hein. 36 fois en 23 matchs, c'est pas mauvais du coup. Du tout. On a fait l'évolution de Cuadrado, du coup. Le 95, qui est vraiment très sympa. Et puis après, le reste, on a gardé le milieu avec De Paul et Declan Rice. De Paul qui est monté à 97. Declan Rice qui n'a pas bougé, du coup, 96. Et puis les trois ADR avec Van der Sar au goal. Hein. En vrai, on est bon comme ça. Hein. C'est le meilleur à faire, je pense. Depuis deux semaines, maintenant, je fais ça. Et puis, c'est là où tu te prends le moins la tête au final. Oh oui, s'il me donne une free win, c'est magnifique. Oh oui, le roi. J'en avais plus depuis au moins deux semaines, je crois. Deux, trois semaines, j'avais pas une free win. Quel roi. Oh là là, ça, c'est magnifique par contre. Allez, c'est parti. Oh non, Drogba en face, putain. Oh non, me dis pas, il fait une technique, là. Bien joué, Van der Sar, super. Bon, je suis pas du tout dedans, les gars. Pour...
Oh, la passe, bien joué. Oh là là, bien joué. T'as eu Haaland, ouais, après Haaland, je t'avoue. Je sais pas toi, mais moi. C'est pas un des joueurs que je préfère. Bien joué, Nunez. Elle sort pas, fumier. Passement de jambe à gogo. Ah oh, super, tu prends les buts frère, tu peux rien faire. Le mec fait un corner à deux, il... Je suis sûr, il sent... En fait, il sent au hasard hein, le mec. Hein. Je pense vraiment qu'il se dit même pas, je vais centrer sur lui, hein. C'est ça le pire. Il ne peut pas siffler comme ça s'il n'y a pas hors-jeu. Je pense que c'était sûr qu'il y avait hors-jeu. Ah, je rends la balle, magnifique. On lui donne un but. Oh, sinon, c'est pas drôle, hein. Deux buts d'écart, hein. C'est plus marrant quand il y a deux buts d'écart. Hein. Là, je me suis dit, bah 3-2. Bon, les 4-2, c'est pas mal, 4-2. Hein. C'est peut-être mieux 4-2 quand même. Hein. Sinon, c'est pas drôle le match, quoi. Allez, plus qu'un. Faire des changements. Voilà, bien joué. Ah, Lionel. Voilà, Smith, bien joué. Oh, le but. Yeah. Il défend vraiment bien, lui, hein. C'est relou à passer, hein, mon Dieu. Je sais pas quel compo il joue, mais c'est bien relou, hein. Oh là là, ça là. Mon Dieu, celui-là. Bien joué, putain. Les engagements, j'ai l'impression que c'est encore. Ouais, on fait sur le deuxième compte tranquillement là. Enfin, tranquillement. Du coup, plus trop là, parce que je viens de prendre un but. Ah oh, bien joué, rien à dire. Il joue bien le mec, hein. De toute façon, j'ai dit depuis le début. Peu de réussite. Voilà, ça l'a bien joué. Mais me dis pas, il quitte à 2-2, s'il te plaît. S'il te plaît, fais pas ça, frérot. S'il te plaît, donne-moi la win. Si tu quittes, je fais tout, mais ne quitte pas à 2-2. Oui, bien joué ça. Pense pas qu'il y a un jeu. Bien joué, Nunez, il est même pas enroulé, j'ai tiré normal. Je suis obligé, mais je suis obligé, le jeu il m'a tué, je suis obligé de tacler, faire faute les gars, je suis obligé, sinon il y a but derrière. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ah mais je suis obligé gros. Mais je suis obligé de faire ça. C'est quoi ce genre d'action là? Il marque le coup franc, je suis vrai, vraiment, je suis vraiment le loser du truc là. Va faire un match à 10 contre 11 après. Ah putain, je suis sûr il sait bien les tirer. Ah, il n'y a plus qu'à prier. Hein. Ah, il n'y a plus qu'à prier les gars. Hein. Je vais pas vous mentir. Allez, c'est maintenant la vérité. Enroulé quoi, la passe, allez. Bon, faut bien le faire. Si tu restes trop appuyé, ça fait la passe... Ça fait la passer en mode de geste technique là. Non, c'est s'il te plaît. Non, franchement, les gars, j'ai plus la force d'aller jusqu'à 16. Je vous jure, les gars, ça va me prendre la tête. Je vais jouer des fous du bus. On va le faire le 16, mais je vais pas m'amuser, les gars. Vraiment, je. Les gars, on est au mois de juillet, je m'en fous. Enfin. Je vais donner mes wins, les gars. Et puis voilà, je vous avoue, j'ai plus la force, les gars. Ah, c'est bon, on est plus au... on est plus. Toute l'année, on a saigné les fûts de champ, les tots aussi. Donne pas en vrai, si, je les donne. Surtout s'ils font le truc argentin, je donne. Mais j'ai plus la force, les gars, j'ai plus la force. Ah, moi, je donne à tout le monde, les gars.
Je donne à tout le monde, vous savez pourquoi? Parce qu'après, c'est comme ça, vous me dites, ouais, Salem, t'es partenaire, t'as que de la chance. Mais c'est pas ce que je donne à tout le monde, moi. C'est pour ça que j'ai de la chance, les gars. Venez pas chouiner ceux qui rentrent dans les packs. Un chaque cancer, c'est trop. C'est tout. De toute façon, les noms m'étonnent même pas. Les noms, ils m'étonnent même pas. Si je vous écoute, les gars, je donne aucune win. Vous êtes fous, quoi. Là, non seulement je vais donner des wins, en plus, ils vont me donner CR7 en rouge. 14 victoires, du coup, les gars. On a fait 14-2. J'ai donné toutes les wins après. Flemme d'aller plus loin. Et puis 14. Peut-être c'est cheaté, on sait pas. Du coup, on a quoi déjà? 14. Ah, c'est que 1 sur 3. Merde. J'avais zappé ça. Wow. Ok. Juste au niveau de l'équipe, les gars, pour YouTube. Darwin Nunez, c'est validé. Moi, j'ai bien aimé, franchement, au niveau des stats. 25 matchs, donc il y a eu 2. J'ai donné 4 matchs, je crois. Donc on va dire 21 matchs, 17 buts. Il a été décisif 37 fois en 24 matchs, ce qui est pas mal du tout. Clairement, il a bien taffé. Salah, qu'on a packé la semaine dernière. 30 matchs, 24 buts, 17 passes D, c'est pas mal aussi. Nico Williams, un peu moins de buts, mais il a fait le taf. Et Messi, c'est le GOAT, hein, il est trop fort avec Ronaldo. Du coup, les gars, là, ce que je vais faire, c'est que les gars, en fait, avant d'ouvrir, on va aller faire des choix 81+, qui partent dans 10 minutes, et il faut que j'en fasse un peu. Ça vous chauffe ou pas, les gars, dans le chat? En fait, là, je suis en train de voir dans le chat qui c'est qui est full premier degré, ceux qui ont du second degré, en fait. C'est ça qui est drôle. Tu vois, ceux qui me disent attends les 82. Ils sont premier degré. Allez, choix 84 rouge, mais pas de prédit. J'ouvre ça comme ça parce qu'on va avoir des doublons. De toute façon, on n'aura pas de cartes événements. Elles sont cachées. Elles sont pas dans les packs, hein. Les cartes événements, c'est pas où elles sont. Personne sait où elles sont. Un petit Mendy, quoi. Et le mec, il tombe pas dans les packs. Voilà, 89. Parfait. Le 2. Allez, le 2, c'est parti, les amis. Let's go. Putain, James, 97. Donne-moi un autre mec. Putain, mais... Fatigue, elle. Fatigue, James. CR7. Cristiano James. Pardon, les gars. Je suis trompé. En fait, je voulais dire Van Dijk. Je vais voir un peu le chat. Est-ce que les chouineuses vont chouiner? Ouais, ça chouine dans le chat. Oh, ça chouine. Ça chouine. Je l'avais, les gars, j'ai prévenu. J'ai prévenu, les gars. Non, mais je préviens. Moi, je suis comme ça, je préviens les gens. Et les gars, il est 19h bientôt. On va faire vite. On va pas s'éterniser sur la chose. The next day. Putain, c'est pas pour me la péter ou rien du tout, hein, vraiment, les gars. On a packé Van Dijk en rouge. Bon, j'ai toujours pas joué avec. Il est arrivé au club. Voilà, je lui laisse prendre ses marques avant de le titulariser sur ce compte. Et donc, on s'est arrêté en 14-2. On a donné les wins, on a eu Van Dijk. Je vous avais dit, les gars, compte principal, je pouvais pas live hier, il y avait la France et tout, je le ferai hors live. Du coup, je commence le fut champion, j'arrive en 10-0. Je me dis, bon, de toute façon, je vais faire 14, on va arrêter. On va arrêter à 14, les gars. Je dis, je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Et j'étais devant le match de l'Angleterre et je me dis, vas-y, on va continuer. Du coup, 11-0, 12-0, 13-0, 14-0, 15-0. Bon, là, j'ai enregistré quelques matchs parce qu'il y a eu des petites dingueries. 18-0, 19-0 et on a fait le 20. Avec Ganguignon en tant que coach. J'avais Ganguignon en vocal, il m'a coaché, les gars. Donc, c'est aussi le 20-0 Ganguignon. C'est aussi le 20-0 Ganguignon. Donc, du coup, 20-0. Première fois de l'année, les gars. Je pense que si j'étais en live, je l'aurais pas fait, le 20-0. Je pense pas que j'aurais fait le 20-0, les gars, en live. Parce que, en fait, j'ai clairement vu la différence de jouer en live et hors live. Dans le sens où, quand t'es en live, t'as le chat à gérer, etc. C'est beaucoup plus dur à te concentrer. Et le dernier match, les gars, putain, il était dur. Hein. J'ai joué contre un Belge en plus. Donc, du coup, j'étais avec Ganguignon en vocal. Et j'ai joué contre un Belge qui avait quasiment une full Belgique. Donc, il avait Doku, Lukaku. Il avait une équipe Belgique de Belges, quoi. Et les matchs, les gars, je me suis fait peur parce que je crois que je mène 3-1, un truc comme ça. Ah, je mène 2-1 à la mi-temps, 3-1. Et ce fumier, il revient. Je sais plus comment il revient. Il revient 3-3, je crois.
C'était vraiment un match compliqué. Hein. Il était vraiment bon, le mec. Et j'ai mis un but avec Rodri, les gars, pour le 20-0. Fais un PowerPoint, ouais. Bah ouais, clairement. J'ai mis un pétard. Regardez le pétard du 20-0, les gars. Ça, c'est le pétard du 20-0 avec Rodri. Chiii. 5-3, je crois. Hein. Je crois que ça finit en 5-3. Donc voilà, on a fait 20 et on finit sur une belle note. Franchement, je pensais pas le faire, les gars. Bon, après, c'est un 20-0, les gars. C'est un 20-0 de fin d'année. C'est au mois de juin. C'est pas la même saveur que si j'avais fait ça, par exemple, au mois d'octobre, novembre, tu vois. Mais bon, après, c'est toujours kiffant. C'est toujours kiffant. Donc voilà, on va aller ouvrir tout ça. Avant, on va faire le SBC. Là, il y a un choix qui est sorti hier. Faut que je le fasse sur mes deux comptes. On va le faire. Voilà, prédit est fini. C'est parti, les gars. C'est quoi, les gars? Vaut mieux pas... Allez, c'est parti. Folie, hein. Ouais, pas mal. Putain, full crook, dommage, je l'ai déjà. Allez, c'est parti. Bah, c'est non, du coup, hein. Qu'on pense, les gars. Bon, je vous montre l'équipe. Donc, il me faut pas CR7, pas Vinicius. Les gars, il me faut Messi. Faut que je pack Messi. Ça, c'est l'équipe du 20-0. Du coup, il me faut Messi ou Van Dijk. Ou Bellingham. Messi, Van Dijk, Bellingham, Mbappé. Les quatre. Tout le reste, les gars, ça serait une défaite. Parce que si je pack un des deux en rouge, c'est défaite. Après, il y a qui donne dans la tot ultime. À part ça, c'est tout. Hein. Je joue tranquille comme ça. Nanana. Ouf. Putain, j'ai cru que ça allait faire full 84. Hein. Prédiction pour les choix rouges. Ouais, mais pas pour les choix comme ça, les gars. Oh. Nanana. Et... Noévé, elle fait la sieste, Noévé. Noévé, elle fait la sieste. Putain, j'ai même pas eu une carte spéciale. C'est terrifiant, en vrai, ça. Hein. C'est vraiment terrifiant, ces choix. Hein. Mon Dieu. C'est vraiment terrifiant. C'est parti. Récompense de mon premier 20-0. Les gars, 3 choix rouges, tot ultime. Il y a 5 joueurs à chaque fois. Le premier, si vous payez sport, on veut Messi, Mbappé ou Bellingham. Le reste, on a déjà. Vamos. Moussiala défaite. Des decks qui montent. Ok. Allez, let's go, le deuxième. Valverde. Ah, défaite, hein. Ça, c'était bien à 3 semaines, quoi. Ça, c'était bien à 3 semaines, hein, les gars. Mais vas-y, c'était bien à 3 semaines, quoi. Allez, s'il vous plaît, soit Messi, soit pas Vini, pas Ronaldo. Messi, Mbappé, Bellingham. Un des trois, s'il vous plaît. Chier. 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 Merde. Chier. C'est vrai que tu l'avais dit, hein, bon match, hein. Tu l'avais annoncé, bon match, hein. Elle est forte en vrai ou pas, les gars? Bonne match. En vrai, parlons sérieux, les gars. En vrai, c'est les récompenses sont pas dingues. Hein, vraiment pas ouf. Hein. En fait, c'était bien. Genre, ça aurait été la tot ultime, ça aurait été très bien. Mais là, maintenant, c'est bof. Mais est-ce qu'elle est forte en vrai? 3 joueurs 94 plus. Let's go, baby. Je pense que ça sera 3 doublons de toute façon. Hein. Allemand, MOC, c'est qui ça? Ah, Moussiala, non? Moussiala, ok. Donc, du coup, je l'ai en 2 fois. C'est super. Magnifique. Et Théo que j'ai déjà. Par contre, le pack est magnifique, les gars. Le pack est magnifique, mais je les ai déjà. Qui c'est qui veut un Théo, les gars? Bon, Moussiala, je pense que je vais le tester. Il peut jouer quel poste? Il peut jouer à des... Ah, il peut pas. Mais je vais le tester à la place de Simons. Hein. Théo rouge et bleu. Ah, je les ai de toutes les couleurs, je les ai. Moussiala aussi, du coup. Moussiala, il peut jouer MOC, MC, MG, ok. Je vais le tester numéro 10 et Bonmati, je vais la... Mais je sais pas si Bonmati est... Les gars, Bonmati, c'est numéro 10, non? On est d'accord. Pour moi, c'est les deux le même poste, hein. Ou alors, Moussiala, je le joue sur... en AVD, mais le problème, c'est que j'ai Ronaldo, quoi. Ou alors, je le joue BU, carrément. Hein. Après, il a pas la meilleure finition, quoi. Un 10 en 5 GT, c'est 0 sur 20. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle a pas 5 GT, Bonmati. Après, je peux la mettre MC, hein, à la place de Bruno, en vrai. Hein. À la place de Bruno, ça fait le taf. Hein. Je la trouve sexy.
Ça fait le tas, je pense. Hein. Mais là, avec mes 5 millions, les gars, j'ai regardé sur Futbin. Avec 5 millions, je peux quasiment... Là, j'ai combien? 5 500 000. Regardez, les gars. Enfin, sur Futbin, les prix, ils ont baissé. Et je pense qu'ils vont bien baisser encore. Avec 5 500 000, je peux acheter quasiment tous les joueurs. Il y a juste Neymar que je peux pas m'acheter. Mbappé Tots et Mbappé Totti. Sinon, à partir de là, je peux tout acheter. Donc, je pense que ce week-end, on va tester des nouveaux joueurs. Hein. Après, j'attends de voir l'événement. J'attends de voir l'événement, voir les prix des cartes. Vous pensez le teardrop, il va vraiment être exécrable, enfin vraiment être mauvais ou pas? Merci en tout cas les fumiers, et puis on se dit à très vite. Ciao ciao les fumiers.